Cette nouvelle vidéo, ça fait longtemps et je suis très très heureuse aujourd'hui de vous retrouver avec non pas juste une petite Doudie mais aussi avec une petite Nissa. Alors non, ce n'est pas un deuxième chien, c'est la chienne de la voisine d'à côté qui j'ai proposé en fait de l'emmener ici pour qu'elle puisse jouer, qu'elle puisse passer ses journées à jouer avec Doudie. Donc voilà. Bon sinon nous on se retrouve pour une nouvelle journée dans mon assiette. Ça faisait longtemps et justement comme on est toujours en septembre et donc c'est toujours d'actualité, je vais vous faire une fois, il n'y a pas qu'en septembre d'ailleurs, je vais vous faire oh, les intros toutes pétées, c'est pas possible. Bref, je vais vous faire une journée spéciale meal prep, donc que des repas adaptés au meal prep, donc que vous pouvez faire d'avance, que vous pouvez emmener avec vous, qui n'ont pas besoin d'être réchauffés. Voilà ce que je vous prépare pour aujourd'hui, mais pour le moment pas de petit déjeuner. Je file à la box de CrossFit me faire une bonne séance et je retrouve juste après. Doudy, il y a un moment où t'es fatiguée ou pas? Non, chut, on n'aboie pas. Dis donc la chippie. Hey cocotte, hey cocotte. Bon, évidemment, pas de CrossFit sans un peu d'énergie, donc je me fais quelques petites dates et j'y vais. Bon bah finalement mon intro est ratée jusqu'au bout, je ne suis pas allée au CrossFit, j'ai eu de gros impératifs, donc là il est 10h30, je suis pas partie de chez moi, j'ai dû annuler ma séance, normalement je devrais pouvoir y aller ce soir. Du coup, eh ben on va prendre le petit déjeuner et justement regardez ce qui m'attend dans mon frigo. Bon alors l'avantage avec un porridge comme ça c'est qu'il n'y a absolument rien à préparer, donc pour toutes les personnes qui courent le matin, qui n'ont pas le temps de prendre un petit déjeuner, ça c'est absolument parfait, ça vous prend 5 minutes à préparer la veille, ça gonfle tout seul dans le frigo et le matin vous avez juste à le sortir du frigo et à vous régaler parce qu'en plus c'est super bon. Alors pour ce petit, enfin plutôt ce gros porridge, hier soir j'ai donc préparé tout ça. D'abord il vous faut évidemment des flocons d'avoine, donc moi je les prends chez Coro, c'est des petits flocons d'avoine sans gluten d'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont intolérantes c'est bon à savoir. Donc pour commencer j'ai d'abord versé dans mon blender une cup de lait d'amande, donc ça fait 250 ml pour les équivalences, une cuillère à soupe de sirop d'érable, une demi cuillère à café d'arôme vanille et j'ai rajouté la moitié de mes framboises, en tout j'en ai utilisé 100 g, donc là j'ai mis 50 g dans le blender. J'ai mixé quelques secondes, le temps que tout soit bien mélangé, et dans un bol j'ai versé mes petits flocons d'avoine, donc moi par rapport à mes besoins j'en ai mis 70 grammes, avec une cuillère à soupe de graine de chia, une pincée de sel, de la cannelle, et pour une petite dose de crémeux supplémentaire j'ai rajouté du yaourt de soja. Alors moi je prends le yaourt de soja à la grecque de chez Sojade, c'est pas facile à dire parce qu'il est super dense et il est un petit peu plus riche en protéines que le yaourt de soja traditionnel. Donc j'en ai mis 3 cuillères à soupe, j'ai rajouté mon lait aux framboises, j'ai bien mélangé, j'ai incorporé le reste de mes framboises, là j'ai laissé reposer juste quelques minutes, j'ai remélangé à nouveau, ça évite qu'il y ait des gros paquets qui se forment, ce qui est pas très agréable
à manger et j'ai versé ça dans mon petit bocal hermétique avant de le placer au frigo. Et voilà, donc ça a bien gonflé dans la nuit, c'est super bon. Vous pouvez rajouter un petit peu plus d'arôme vanille ou de sucre en liquide, donc de sirop d'érable par exemple. Et ça, ce sera quand même vachement mieux que de manger des viennoiseries sur le pouce, de crever de faim en plein milieu de matinée, d'avoir le coup de barre qui va avec, etc. Bon, moi je me remets au boulot et finalement je file au CrossFit à midi parce que finalement j'ai pu libérer un petit créneau, donc je vais vous faire découvrir la box de CrossFit dans laquelle je suis inscrite qui est absolument géniale. Bref, je vous montre ça tout de suite. Dying from corona while I'm living on coronas. They've been living for attention. They've been dying for diplomas. My persona in aroma could have told you I don't give a sh- Signed a bigger contract so I could toss some bigger sh- Police pull you over, they be trying to give a I be such a gentleman, they came to see some She just wanna cut, I wanna cut as in a bigger split. She ain't even ready for this what I'm about. Voilà, c'était dégueulasse comme Wood, mais heureusement il y avait Snatch et c'est lui le responsable de toute cette souffrance, merci Ben. Bon, je vous montre quand même si je suis très fâchée, je vous montre quand même la très très jolie box dans laquelle je suis extrêmement heureuse d'être inscrite. Voilà, donc là c'est la CrossFit Box d'Evreux. Il y a de l'espace, il y a une très très bonne ambiance, les coachs sont top. Et aujourd'hui c'était pas un jour à CrossFit, mon dieu, j'aurais dû rester sous la couette. Depuis ce matin de toute façon il y a que des merdouilles, mais c'est pas grave. Et honnêtement, je me suis jamais autant dépassée qu'ici. C'est incroyable et ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on est bien, encadré, on est bien accompagné. C'est pas juste du dépassement à la hache. Non, tout est bien cadré. Donc voilà. Si vous êtes sur Evreux, si vous passez à Evreux, si vous voulez découvrir le CrossFit, c'est le moment d'oser parce que c'est vraiment, vraiment une super box. Alors aujourd'hui, on a 10 plats à emporter et 1000 prep. Et pour emporter justement des petites salades, les bocaux, c'est super pratique. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais cette demoiselle ici présente a fait un prout pendant que j'étais en train de vous parler. Elle est très mignonne, petite Nissa. J'ai dû la laver parce qu'elle s'est roulée un peu dans la crotte ou dans un truc qui tue. Et regardez, autant j'en ai une qui me suit, mais comme mon ombre, autant l'autre là. Ça va, Doudi? Tu gères bien? Tu me soutiens psychologiquement? Comment ça se passe? Voilà, Doudi la princesse. Je vous jure, c'est un peu dur de se concentrer là avec les deux. Qu'est-ce que je disais? Oui, de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un joli cadeau pour vous. Mais pour le moment, on va préparer nos petites salades jar, donc salades en bocaux. Donc là, j'ai préparé mon coleslaw Veggielicious. Donc vous avez la recette évidemment dans le Veggielicious basique. J'ai utilisé du chou rouge, du chou blanc, de la carotte. J'ai tout haché dans mon petit robot de cuisine. Alors par contre, j'ai pas retrouvé la lame qui fait râpe, donc wow, ça marche très bien avec le hachoir. D'ailleurs, si vous avez un petit hachoir électrique, ça fera parfaitement l'affaire. Je vous remets toutes les quantités évidemment en description. Donc chou rouge, chou blanc, carottes, également oignons doux, parce que j'avais pas d'oignons nouveaux, mais c'est encore meilleur avec les oignons nouveaux. J'ai tout versé évidemment dans un grand saladier. Et pour la petite sauce, j'ai mélangé 2 cuillères à soupe de purée de cacahuètes. Donc là, c'est la purée de cacahuètes maison. D'ailleurs, je vous donne toutes mes astuces dans le prochain Veggielicious à venir. J'ai rajouté le jus d'un citron vert, 2 cuillères à café de gingembre frais râpé. Petite astuce, si vous avez du mal à le râper, passez-le au congélateur d'abord. 1 cuillère à café de sauce sriracha, 1 demi-cuillère à café de tamari ou de sauce soja réduite en sel, 2 cuillères à soupe d'eau chaude, ça aide à bien mélanger la sauce. Et puis là, j'avais envie de rajouter un petit peu d'ail en poudre, donc c'est ce que j'ai fait. Oh, et également 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. J'ai versé ma sauce dans mon saladier, j'ai bien mélangé et j'ai placé au frais le temps de préparer mes autres ingrédients. Donc ici j'ai préparé de la semoule, je me suis vraiment pas pris la tête. C'est une semoule d'épeautre qui est super simple à préparer. Vous mettez une dose de semoule pour une dose d'eau bouillante. J'ai rajouté évidemment un petit peu de bouillon de légumes, ça aromatise très très bien la semoule. Et puis après il y a juste à laisser gonfler pendant 10 minutes et à mélanger avec la fourchette. Et on va mettre avec ça des petits pois chiches, hein, je suis fan de pois chiches. Ceux-là je les ai fait déjà bien égouttés après les avoir rincés.
rincés. Donc il s'agit bien sûr de pois chiches cuits. Je les ai mis à la poêle avec pas mal d'ail en poudre, un petit mélange d'épices, paprika, épices chili qui est très très bien, donc j'en ai mis pas mal, du poivre également, un petit peu de sauce sriracha, du jus de citron, alors ça c'est du jus de citron frais que j'avais pressé à l'avance, c'est toujours plus pratique pour préparer ses repas et gagner du temps évidemment. Une bonne pincée de sel, j'ai mélangé tout ça, j'ai laissé dorer pendant quelques minutes et ensuite j'ai rajouté des petits zestes de citron. Voilà, donc c'est vraiment rapide à préparer, vous mettez ce que vous voulez comme épices dans vos pois chiches et hors feu, j'ai ensuite rajouté de la coriandre fraîche parce que moi je suis désolée, je fais partie de ceux qui sont fans de coriandre. Et je suis trop contente, j'ai fait mes premiers pickles maison, donc ça c'est des pickles d'oignon rouge, j'en ai goûté hier, ils sont super bons. Donc ça, ça va venir compléter tous ces ingrédients, voilà, 4 ingrédients pour un bon repas, c'est nickel et vous allez voir c'est prêt en 2 secondes. Alors en entonnoir c'est assez pratique mais je n'en ai pas, donc si vous en avez je vous conseille voilà, d'utiliser un gros entonnoir pour remplir vos salades déjà. Donc là je commence par le coleslaw parce que c'est lui qui contient toute la sauce, donc si je le mets au dessus elle risque de dégouliner sur tout le reste. Si vous préparez vos bocaux à l'avance du coup ça risque d'être un petit peu j'ai pas le mot mais vous avez compris. Bref, on met plutôt tout ce qui contient la sauce en bas du bocal, surtout si on les stocke pendant 2 jours au frigo. Du coup j'ai pas fait de sauce en plus, je me suis posé la question mais honnêtement il y a déjà beaucoup de saveurs entre la sauce du coleslaw et les pickles d'oignon, donc ça sera franchement pas nécessaire. Après vous pouvez vous faire une petite sauce à base de balsamique, ce sera pas mal, mais honnêtement moi je trouve qu'il n'y en a pas besoin. Ensuite je rajoute ma semoule d'épeautre. Hop là. Après ces bocaux sont super pratiques parce qu'ils ont une grande ouverture, donc c'est pas trop galère de transférer les ingrédients dedans, si j'en ai un peu à côté quand même. Alors écoutez, on n'a pas tous la dextérité de Gordon Ramsay hein. Ensuite je rajoute mes petits pois chiches. Alors pour les quantités vous adaptez en fonction de vos besoins nutritionnels, mais à titre indicatif là pour les 2 bocaux j'ai utilisé du coup les 2 portions de la recette de coleslaw du Veggielicious Basic. Là par bocal j'ai 60 grammes pois sec de semoule d'épeautre. J'ai utilisé une boîte, donc 240 grammes pois égouttés ou 250 grammes de pois chiches. Et voilà, ça fait un repas bien complet, vous pouvez rajouter des protéines si vous voulez après, un petit peu de tofu par exemple. Bon clairement entre la semoule et les pois chiches, hein, il y en a largement suffisamment à moins que vous soyez en mode bodybuilding. Et je rajoute mes petits pickles d'oignon rouge. Un vrai bonheur. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je partage la recette avec vous. C'est ultra simple, vous pouvez le faire avec plein de légumes différents. Et ça, ça donne du peps à vos plats. Et encore une fois, hein, c'est l'éclatateur. Vous pouvez même le faire avec les enfants. Mais que c'est beau! Et voilà, on est pas mal. Hein. On ferme les bocaux. Et là, l'avantage, c'est que vous avez... moi, je trouve que le bocal, c'est super pratique quand vous n'avez pas besoin de réchauffer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est que ça se glisse très facilement dans un sac à dos. Et on peut globalement mettre plus de choses que dans un Tupperware. Voilà. Alors place à la dégustation. Oui, je mange à mon bureau, de toute façon je fais tout à mon bureau, je vis dans mon bureau. Hop, on mélange un petit peu. J'aurais pu secouer mon bocal aussi hein. Mais bon, attention. Oh, l'odeur des pickles ça. C'est frais, c'est bon. Oh là là, je survalide. Je vous recommande cette recette. Elle est très, très bonne. Ça se mange frais. Vous n'avez pas du tout besoin de réchauffer. Et franchement, ça vaut 1000 fois mieux que toutes les salades toutes faites que vous pouvez trouver dans le commerce. Donc, allez-y. Ouais, bon, alors honnêtement, avec une cuillère, c'est beaucoup plus pratique. Oui, sinon j'en mets partout. Ça va l'atelier bâton? Ce soir, ça va être pesto.
resto, un plat qu'on peut manger aussi bien chaud que froid. Donc encore une fois, en déplacement, c'est très très bien aussi. La base, ça va être des pâtes de pois chiche de chez Koro. D'ailleurs, à propos des emballages plastiques, je vous invite à lire leur politique, leur démarche. Je vous mets le lien en description, c'est très intéressant. Donc pâtes de pois chiche Koro, elles se tiennent super bien en plus, donc c'est parfait. On va utiliser évidemment du basilic bien frais. Et là, ça va être un pesto rosso. Donc j'ajoute des tomates marinées. J'ai repris en fait la version du Veggilicious basique en rajoutant des tomates. Donc normalement, ça devrait être pas mal. Donc là, j'ai mon okibou avec un petit peu de bouillon de légumes. Je vais faire très rapidement toaster mes noix de cajou. Et je vais utiliser mon blender Sir Mix-a-Lot pour le faire. Alors, c'est un blender haute vitesse, un petit hachoir électrique. Ça fait très bien l'affaire, mais j'ai la flemme de sortir le mien. J'espère que ça va le faire. Alors ça, tout de suite. Bon, j'ai mon voisin qui est venu frapper à la porte. Donc j'ai fait cramer mes cajou, mais ça va le faire. Du coup, on va couper le feu. On va pas couper du feu, n'importe quoi. Ici, j'ai mes petites pâtes que je vais mettre à cuire. Donc je vais commencer par mettre mon basilic. Alors je vous remettrai les dosages exacts en description parce que je vais peut-être réajuster en cours de route. Donc là j'ai mon basilic, j'ai mes tomates marinées. Je vais mettre à peu près 25 grammes de tofu soyeux. Ah bah c'est 50 grammes. Bon bah voilà. Alors pour les puristes évidemment, vous mettez de l'huile d'olive à la place. Voilà, moi c'est pour faire une version un petit peu plus légère, sachant que les tomates sont déjà bien marinées dans l'huile. Hop, ici je presse une belle gousse d'ail. Ouf. Bon, c'est quasiment une double gousse d'ail, hein. Ensuite je rajoute mes noix de cajou toastées. Alors n'importe quelle noix font l'affaire, faites pas comme moi, les faites pas cramer. Indispensable, la levure maltée évidemment. Celle-ci vient aussi de chez Koro, avec un beau bocal de chez Koro. On va en mettre un quart de cup. Ouf. Je rajoute le jus d'un citron et une bonne pincée de sel, du poivre. Il n'y a plus qu'à mixer normalement. C'est bon, sauf s'il manque un truc, attendez. Et on va mixer ça. C'est parti! Mon pesto n'est pas du tout rosso. Bon, il n'est pas très rosso, donc et puis il n'a pas trop le goût de tomate. Je vais rajouter un petit peu de concentré de tomate. Désolée les puristes, je pense que là, je suis en train de massacrer une recette. Je vais mettre une cuillère à café de concentré de tomate et on va voir ce que ça donne. Help! Allez, c'est parti! Non mais alors en fait j'ai regardé plusieurs recettes sur internet et il y avait quand même du basilic et pourtant le résultat était rouge. Je ne comprends pas, ça m'embête quand même. Bah écoutez, ce sera du pesto, je sais même pas de quelle couleur il est maintenant. Attendez, on va essayer de rectifier ça. Bon écoutez, c'est pas très rose tout ça. J'ai rajouté un petit peu de... enfin le reste de mes tomates marinées, je sais pas où j'ai foiré. Mmh. Mais en tout cas c'est très bon, c'est très très bon. Je vous mets la recette telle quelle. Et puis voilà. Non écoutez, on va, de toute façon on va faire le taste test. Mais non, vous savez quoi, je vous mettrai la recette du Veggilicious basique. Et puis en option vous pourrez rajouter des tomates séchées. Voilà, vous me direz si le vôtre est un petit peu plus rouge ou pas. Je viens juste de finir une grosse session boulot, donc place au dîner. Là j'ai juste rajouté une belle poignée de roquettes et quelques petites tomates cerises du jardin. Donc là il est temps de manger. Voilà. Écoutez, il est pas rouge mon pesto rosso, mais c'est pas grave. Il est très très bon. Je tâcherai de résoudre le mystère du pourquoi mon pesto rosso n'est pas rouge. Alors effectivement j'ai mis beaucoup de basilic, mais dans les recettes que j'ai vues, il y avait beaucoup de basilic aussi. Donc je sais pas, je vais arrêter par la bouche pleine, c'est absolument indécent. Et j'ai une petite surprise pour vous, mais ma carte mémoire est pleine. Donc du coup je vous la dirai demain matin, autrement dit, dans une demi-seconde pour vous. Voilà. Allez, à tout de suite. Bon, il est temps de conclure cette vidéo. J'espère que ces deux recettes vous plairont. Honnêtement, mon pesto rosso qui n'est pas rosso, ben peut-être qu'il n'est pas rosso, mais en tout cas, il est divinement bon. Donc testez-le. Vous savez quoi, finalement, je vous remets la recette telle que je l'ai faite hier en description parce que, ouais,
c'est une réussite. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me dire en commentaire si vous avez testé ces recettes, ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne pas louper les futures vidéos. Je vous prévois plein de nouvelles journées dans mon assiette et pas que, beaucoup beaucoup de conseils aussi cette année. Pensez aussi à me suivre sur Instagram, j'y partage beaucoup de conseils, de posts d'inspiration, évidemment de bons petits repas. Voilà, je vous avais promis une surprise, c'est le moment. On vous a concocté avec Coro un très joli cadeau que vous allez pouvoir gagner en participant sous cette vidéo. Et justement, à gagner, vous allez avoir une lunchbox en métal comme celle-ci, très très pratique pour tous vos repas froids, avec un petit caoutchouc d'isolation, donc aucun risque que vos sauces ne coulent par exemple. Vous allez aussi pouvoir gagner un bocal grand format, donc celui-ci fait quasiment 1 litre, avec couvercle hermétique et large ouverture. Également un petit format comme celui de mes pickles d'oignons, donc très pratique pour tout ce qui est confiture, beurre de fruits à coque et pickles évidemment, mais aussi pour mettre votre petit porridge overnight que vous avez vu en début de vidéo. Ensuite, bien sûr, 2 kg de pâtes de pois chiches, hein, ces fusilis de pois chiches là, elles sont absolument parfaites, donc il faut que vous les goûtiez. Et 2 kg, je pense que vous avez de quoi faire. Également, hein, parce qu'on est dans le gros conditionnement, 1,5 kg de semoule d'épeautre, super rapide à préparer, super bonne. Et pour terminer, petite gourmandise, hein, si vous n'avez pas le temps de vous les préparer, les Energy Balls Coro aux noisettes, elles sont divinement bonnes. Je peux pas vous en montrer parce que moi j'en ai eu et je les ai toutes mangées. Ce cadeau a une valeur totale de 65 €. L'une ou l'un d'entre vous aura la possibilité de le remporter en me disant en commentaire vos 3 repas préférés à préparer à l'avance, ceux que vous emmenez tout le temps avec vous, les plus pratiques pour vous. Peut-être que ça me donnera même des petites idées pour des vidéos suivantes. Et je donnerai le nom de la personne qui a gagné dans ma prochaine vidéo, donc la semaine prochaine. Voilà, bon là je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée, je vous remercie de vous suivre. Comme d'habitude, prenez soin de vous, régalez-vous bien, mettez-vous au fourneau et je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine.